sur une Roomba, Nathalie Péchalin et son partenaire, Christophe Licata. Salut. Salut Christophe. Ça va? Ouais, je suis contente que tu sois là pour le match retour. Ouais, c'est ça. T'es prêt? Oui, toujours. On voulait montrer ce que c'était que l'entraînement de patinage et on a cherché un élève potentiel. Et le choix s'est arrêté sur Christophe Licata parce que parce qu'il y avait cette histoire de match retour. Il m'a appris sa discipline, donc je voulais lui apprendre aussi la mienne. Et puis parce qu'il a toutes les prédispositions, c'est-à-dire que déjà il aime ça, donc c'est un énorme pas. Et puis il est souple, il est léger, on croit en lui, quoi. Mais j'adore le patinage. Je regardais le patinage depuis tout petit avec mes sœurs et tout ça. On se faisait les dimanches patins. Donc du coup, j'ai accepté tout de suite. C'est vraiment un truc. Que j'adore, puis ça ressemble à ce que je fais un petit peu, donc du coup, mais je me rends compte que c'est pas du tout la même chose en final. J'ai peur de tomber, j'ai peur de me faire mal, parce que bon, je suis quand même danseur, je veux pas me faire mal quelque part. J'ai peur de lui faire mal à elle, de la faire tomber. Tu me donnes la direction, parce que tu vois, tu peux très vite changer de direction sur la glace. Déjà engagé, c'est-à-dire qu'il y va à fond, il dit qu'il a peur, mais je trouve que ça se voit pas, parce qu'il y va dès que je lui propose quelque chose. Et effectivement, il a un certain maintien, déjà dû à la danse de salon, mais le chemin va être long, oui, pour arriver à faire un petit programme à la fin des 10 sessions. Donc on va procéder par étapes, on va y aller gentiment, et on va essayer de faire du mieux possible. Je pense que la sélection pour les JO de l'année prochaine, c'est mort. En revanche, il peut avoir vraiment se sentir à l'aise dans la glace et proposer un programme qui se tient pour un niveau, évidemment, loisir. L'ambulance garde la potence, plus rien n'a plus d'importance, rien. Non, parce qu'il m'a pas fait souffrir, il m'a donné envie à chaque fois de m'améliorer et c'est aussi comme ça que je vois le sport. Et c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel ça va se dérouler. Je suis content de faire ça, je suis content de le faire avec elle, donc du coup... Je prends la chose un petit peu comme une récréation, entre guillemets. Mais j'ai envie de m'amuser, de me faire plaisir et de progresser. C'est parce qu'on n'a pas commencé à faire les éléments difficiles que c'est la récréation. Mais tu vas voir, ça va être sportif non, aussi. Mais je sais, c'est dur, c'est fatigant. Mais j'ai envie de le prendre aussi quand même comme une expérience positive. J'ai envie d'apprendre des choses, j'ai envie d'apprendre à patinoter un petit peu, quoi. Mais Non, on patinote pas, Christophe. Mais on patine. Pour le moment, moi, je patinote. Hein. Bah j'en ai plus qu'un à lui donner, mais le premier, c'est vraiment de se détendre. C'est-à-dire, on est toujours crispé quand on fait quelque chose de nouveau et ça aide jamais. Donc se détendre et puis ça va venir. Faire du gainage, j'ai bien compris. Du gainage et après se détendre. Des squats aussi, non? Tu peux faire des squats, ça va te faire du bien au quad. Ouais, ça peut pas faire de mal. Non mais je suis à fond, je vais faire tout ce qu'elle me dit. Hein.